Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Subnautica. Nous avons donc quelques plantations en cours, quelques revenus si je puis dire qui arrivent eux aussi. J'aimerais continuer tout ce qui est mise en place de la base. Vous m'avez demandé, supplié, réclamé, que dis-je voilà. Que je mette des panneaux solaires partout. On y va. Il nous faut du quartz et du titane. J'en ai peut-être, Marc. J'ai un doute sur le quartz, en fait. C'est pour ça que je suis sorti. Mais j'en ai peut-être. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Crac. Quartz, j'en ai un. Il m'en faut deux, je crois, tous les coups. Ah ah, deux, de chaque. Ici, j'ai de l'équipement. Oui, c'est ça, effectivement, je m'en rappelle. Ça y est. Par contre, je n'ai pas du tout de titane. Ça pue le cul un peu, cette histoire. Ok. Donc, titane et... quartz. Wow, bonjour. Non, je veux pas de toi. Si possible, je veux pas de toi non plus. Crac, ça c'est quoi? Ça, c'est une plante bizarre à la con. Alors, le jeu va laguer forcément un max. Il faudrait qu'on trouve aussi, si possible... On va pas en trouver, forcément. Là, il y a un petit peu de... Oh là, ça lag à mort. Ça y est, c'est bon. J'en parle pour que ça s'arrête. Vous avez encore grossi ou quoi? Alors, on m'avait dit qu'il y avait de l'argent sur le dos de ces saloperies. S'il y a de l'argent sur le dos de ces saloperies, moi, je vais voir. Hein, forcément. Mouais. Wow. What? Ça se défend? Ou c'est les plantes qui se défendent? Je sais pas. Merde, je suis toujours en tenue de plongée anti-radiation. Dommage. Dommage. Là, je vois du titane, donc ça m'intéresse. Ok. Parce que, en fait, je comptais faire des choses un peu plus violentes en termes de gameplay. Mais je vais pas les faire tout de suite. Oh bah alors là, on va m'expliquer comment j'ai fait pour ne pas t'avoir. Ah ça lag à mort. Qu'est-ce qui se passe? Alors on m'a dit aussi que apparemment il y a certaines options graphiques qui étaient encore en mode bah alors tu veux bien le récupérer non? Inventaire plein. Ah ceci explique cela. Ok donc c'est parce qu'on a trop de titane hein. C'est dire vu le peu qu'on doit avoir sur nous. J'ai moult piles au passage. Ouais, on va récupérer ça déjà. Et on va essayer d'aller chercher un petit peu de quartz, au moins un, ce serait cool. Merci. Normalement ça se voit assez vite le quartz, ça brille. Donc bon. Ça s'en est pas. Ça brille et ça ressemble à du diamant, enfin du diamant, ce qui est un peu con de dire comme ça parce que le diamant est aussi une des ressources disponibles. Oh là 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 là, le jeu lag à mort. Mais apparemment, j'ai juste l'impression qu'en fait ça lag au tout début de la session. Et ensuite c'est mieux. Bon, le quartz, tu te présentes sous quelle forme habituellement? Est-ce que tu te présentes cela dit? Bonjour! Je suis le quartz. Parce que j'ai pas que ça comme problème en fait, j'ai aussi un problème d'eau actuellement. Alors ma vie reste appuyée, je reste appuyé. Et effectivement je grimpe, oui. Non c'est bon, ça va, ça baigne. Enfin ça baigne, je me baigne surtout. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'était le Simos ça aussi, tiens. J'ai reconnu. Ah bah si j'avais su. Et sinon, en termes de quartz, je me torche avec ou... Ouais, t'as raison, t'as raison. L'origine n'a plus son énergie, ma base, elle est juste là, d'accord. C'est pas très très loin, cela dit. Bon, bah on va se... faire autre chose, du coup. Vu qu'apparemment, je suis dans le caca intersidéral. Faut de la javel, et pour avoir de la javel, il me faut du corail plat. Non, du corail ordinaire. De mémoire.
Alors, il est possible que j'avais déjà de l'eau sur moi, cela dit. Ouais. Voilà. On a moult piles, ce qui fait beaucoup trop de piles. Moult, c'est beaucoup trop. Matériau de base, titane. Vas-y, fais péter le titane. Fais péter le titane, te dis-je. C'est bien. On est en panne de quartz, cela dit. Et le quartz, c'est malheureusement la vie, hein, plus ou moins, dans ce jeu. Tiens. Bouffe tout ça. Bouffe ça, bouffe ça, bouffe ça, bouffe ça. Kit de câblage, je vais le garder. Les piles, je les garde. Ça, j'en ai pas besoin pour le moment. Ça, j'en ai pas besoin pour le moment. D'accord. Ok, on a donc fait un petit peu d'espace. Bon, si ça, ça passe pas, je vais aller voir ici. Déployable. Normalement, ici, on devrait avoir quelque chose qui s'appelle BD véhicule mobile. Lingot de titane, lubrifiant, batterie haute capacité. Batterie haute capacité, je vais en avoir une. J'en ai même plusieurs, donc ça c'est bien. Au niveau du lubrifiant, il me faudrait des vignes. Les vignes, normalement, je sais que j'en ai quelque part pas loin. Voilà, genre juste ici. J'ai pas mis mon couteau. Alors, je sais que pendant un temps, le couteau était, avait une durabilité. Est-ce qu'il en a toujours une? Parce que je... Alors, par contre, je sais plus, je crois que c'est... Non, ça c'est pour les mailles. Il faut que je prenne des trucs comme ça pour avoir du lubrifiant. Voilà. C'est ici. C'est assez dit la crevette. Je sais pas. Je sais que c'est assez dit quelque chose, mais je me rappelle plus quoi en fait précisément. Qui est-ce qui me parle? Littéralement. Bonjour. Peux-tu me faire du lubrifiant, s'il te plaît? Merci. Voilà. Ok. J'ai l'impression que l'énergie... Voilà. Je disais, j'ai l'impression que l'énergie ne remonte pas. Bonjour. Ne te trompe pas, Marcus. Voilà. Voilà. C'est pas le bon truc. Voilà, on va remettre un petit peu. Voilà. Et là, t'es full énergie pendant quelques temps, Marcus. C'est bien. Même si on aura sans doute plusieurs bioréacteurs de ce type. Hein. Ok, donc on a le lubrifiant. Il nous faut un lingot de titane. Lingot de titane, on l'a pas parce qu'on n'a pas suffisamment de titane pour en faire un lingot. Bonjour, bonjour. Je cherche du titane. Bonjour. Auriez-vous du titane à me proposer en magasin, s'il vous plaît? Non, toujours pas. Si tu me fais tomber sur du quartz, je te tue. Quoique, peut-être pas, finalement. Oh, du titane. Bonjour. J'aurais juré que t'étais plus proche que ça. C'est étrange. Je suis encore sorti avec la mauvaise combi. Ah oui, je sors. Enfin, je rentre. Ça me rappelle quelque chose, bizarrement, ce genre d'action, mais je ne dirai pas quoi. Alors, non, déjà, toi, tu t'enlèves. Voilà, merci. Toi, tu t'enlèves à poil. À poil, Marcus. À poil, Marcus. Ah bon? Et pourquoi pas? Pour le moment, j'en ça, je récupère ça. Ah bah non, c'est une combi anti-radiation, ça aussi. Mais non, mais... Ne fais pas ta pute! Tu veux pas en équiper un deuxième? Normalement, si, c'est pour ça. Ah bon? Bon, bah, le fais pas, hein. Écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Je vais pas t'y forcer non plus, hein. Mais si, bon, c'est bizarre. Bah oui, bah je sais pas, moi je vire tout, hein. Tant pis, hein. Question, c'était bien 10 pour un lingot, hein. C'est ça. Donc là, j'en ai 12 au total. On a même ce qu'il faut si on trouve du quartz. J'ai pas rangé ça, du coup. Chose que je devrais faire. Et du coup, tu t'es pas dit que je pouvais peut-être ranger mieux que ça, tout ça. Ah oui, non, faut que je récupère ça, par contre, quand même, un minimum. Arrêtons nos conneries. Voilà. Et là, je devrais être bon. Crac. Je transforme tout ça en un lingot. J'en ai pris que 9. Fais chier. Ok. Oh, il y a une grosse prise sur le côté. Voilà. Il m'en reste 2. Hop. Bonjour.
Je voudrais un lingot de titane, s'il te plaît. Merci. Oh, c'est gentil. Oh, c'est extrêmement aimable à toi de faire tout ça pour moi. C'est même adorable. Je dirais B des véhicules mobiles. Mouah! C'est la fête, la fête. J'ai lancé le tournage ou pas? Oui, c'est bon. J'ai eu un gros doute au bout de 10 minutes. C'est la fête. C'est la fête. Déployer la... Oui, bah deux secondes. Hein? Ah bah tu me l'as mis en premier, bah ça tombe bien. Puisque c'est à peu près exactement là. Tu vois, à peu près exactement ici qu'on va la déployer. Voilà. Attends-moi, j'arrive! Bonjour. Wow! Salut les filles, ah c'est par ici, d'accord. Ah d'accord, oui, bah si vous, ça vous amuse après tout. Utiliser la baie des véhicules, voilà, est-ce que je peux? Donc on a le CMOS, on a le Prone, tout ça je ne peux pas le faire parce qu'il me faut un lingot de titane, 1 mètre de capacité, ça j'en ai. Du verre x2, ça veut dire 4 quartz. Et du lubrifiant, je peux en faire, y a pas de souci. Ingrédients inconnus, ça cristal, d'oxyde, d'aluminium, je sais pas ce que c'est, lingot de plastique, aéro-jet. Voilà, bon, c'est la fête. Bon bah on y retourne, on n'a plus qu'à trouver du quartz, hein. Le problème, c'est que le quartz, j'en trouve pas partout, j'ai l'impression. Et là encore, je n'ai pas. Oh putain, t'es en train de me dire que si je transporte. Oh! Si je transporte ça en plus, sur moi, j'ai la place? Oh putain. C'est un peu du foutage de gueule, cette histoire, hein, je veux pas dire, mais. Alors la poche d'air, j'utilise pas. Ok, donc faut que je transporte le truc sur moi pour avoir 105 au total. Alors qu'on pourrait très bien les mettre ici, hein, mais non, non. Alors ça c'est une onde qui m'envoie vers un signal d'impulsion d'énergie, d'accord, ok, pourquoi pas. Ok, bon bah on y va, on cherche, hein. Peut-être qu'à force de chercher, on va finir par trouver. Habituellement c'est comme ça que ça marche. Vous passez votre quotidien d'exercice hebdomadaire de 100%. D'accord. Ça va vous de varier. La natation est mon une activité préférée apparemment. Ça c'est du lithium, c'est pas ce qui m'intéresse. Oh, la musique s'est arrêtée d'un seul coup. C'est à peine flippant. C'est quoi ça? Ouh, du cuivre? Oh, sale bête. Attends, t'as un truc là. Oh, tu t'enfuis, t'as peur de moi. Il a peur. On a peur, Potter! Tu aimerais bien. Oh la sale bête! Bon, du coup, le problème, c'est qu'en fait, on n'arrive pas à s'envoyer de la... s'en aller de la base. Oh la Yaoé! Oh la Yaoé! Oh la Yaoé! Non, c'est pas. Mais je suis dessus. Laisse-moi le Tampax, hein. Bon, cherchons un peu plus de. Quartz. D'ailleurs, je dois être full maintenant. Non, pas ça va encore. Wow! Tu te calmes, Johanna. Alors ça, c'est une référence, hein, chers amis. Quand je dis ça, c'est une référence à un humoriste français qui s'appelle français, je ne sais pas. En tout cas, à Eric Antoine. Oh! Oh! Mon couteau. Hop, voilà. Ah non, ça n'en est pas. Dommage. J'espérais. Si j'en avais eu aussi près, en fait, j'aurais pu me faire de l'eau en version en mode illimité, quoi. T'es sûr, là? Ok, bah si t'es sûr, après tout, pourquoi pas, hein. Moi, je veux bien. Quartz, quartz. Ça m'a 50 secondes encore. Avant de devoir remonter. Eh bah écoute, t'occupes peut-être du bout de métal, effectivement, c'est peut-être pas plus mal. Voilà qui m'embête. Parce que je n'ai pas trouvé le moindre. Ah, j'ai plus de piles. J'ai plus de piles, c'est bon. Du quartz. C'est la fête. Quand j'aurai 6 de quartz, chers amis, je me concentrerai sur autre chose comme ressource. Concentrerai, pardon. C'est par le français, Marcus, c'est toujours mieux. Ce qui m'en fait que deux.
J'envoie la troisième. Ce qui m'en fait trois. Bonjour, toi là-bas. Qu'est-ce que c'est? Oula, je viens de prendre un truc, je sais pas ce. Oh merde, je voulais pas le casser. Je crois que je l'ai complètement buggé, le pauvre. Oh! Œuf de créature. Boum! Non, non, tu feras pas une créature, toi. Par contre, en termes d'énergie, ça pompe ce truc-là. Ah! De l'oxygène! Non? Oh merde, je suis pas dessus. Oh! Merci. Ça va me trouver le temps de réfléchir un petit peu à où je vais aller. Du quartz, là. Vas-y, rechargement encore un peu qu'on rigole. Ah bah attendez, elle est là. C'est quoi ça? Poudre de poisson. Ah oui, ça ressemble à de la poudre, effectivement. C'est assez difficile à obtenir, donc j'en prends. Puis je connais pas la quantité si elle est limitée. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc j'ai largement la place. Si je veux en avoir 6 au total. Ok. 5. Ça c'est quoi? Fragment de Seaglide, je l'ai déjà. L'équipu. C'est l'équipu qu'on les a appelés ou l'équipette? Je ne sais plus. Du quartz. Donc on a 6 de quartz, chers amis. Donc maintenant j'aimerais me concentrer sur autre chose. Voilà, on va se full de ça. Voilà. Et comme ça on a une quantité incroyable d'eau qui va pouvoir se faire à la maison. La base. Là c'est le truc là. On n'a pas encore passé 3 jours à mon avis je pense, donc on va attendre un petit peu. Mais une fois qu'il y aura plus de radiation, pardon, si vous me dites ce qu'il y a à aller chercher dedans, s'il y a encore des choses à aller chercher dedans, dites-le moi, je serais ravi de pouvoir y retourner, parce que c'est vraiment un endroit sympa malgré tout, hein, en termes de lore et en termes de plein de choses. Je vais enlever les piles, je vais économiser les piles, pardon. Donc là, on a de quoi se faire un panneau solaire. On va mettre là. Attendez, c'est quoi ça? Centrale thermique. D'accord. Ah, apparemment il manque du titane sur moi. Ok, je vais aller en chercher. Ah oui, j'ai dû l'oublier à l'intérieur en fait. Quand je l'avais laissé là. Ok, merci. C'est bon, j'y retourne. Voilà, c'est fini. Et donc normalement on a encore plus d'énergie, en tout cas en termes de... enfin, durant la journée. Voilà, on est à 150. Ça c'est intéressant. Oula, non, c'est pas les piles que je veux. Voilà, range ça, merci. Ok, donc on a de quoi se faire. Donc un peu de verre. Il m'en faut 2 de verre, hein, si je me trompe pas. Il va nous falloir un lingot de titane. J'ai aussi la capacité de me faire une quantité assez intéressante de flotte en cas de pépin. Crac. Et je peux faire de la bouffe ici, voilà, comme ça sera fait. Comme ça, j'ai pas à farmer. Crac, voilà. Le lithium, je peux le mettre là pour le moment. J'ai pas d'intérêt à l'avoir. On a 2 de verre. Il me faut encore donc un lingot de titane. Pour ça, ça devrait être assez rapide. On va juste se focaliser sur les différents morceaux que l'on pourra retrouver de technologie. C'est pas du corail, ça, on est d'accord. Non, c'est pas du corail. Apparemment, il n'a pas dans le coin. Ah, me fais pas tomber sur du titane maintenant, parce que sur du quartz maintenant, parce que je vais rager sinon. Hein. Vu les kilomètres que j'ai fait. Ouh, lag pas trop. Et forcément, je ne tombe pas sur un seul bout de truc.
J'aime pas l'endroit, honnêtement. En plus, j'aime pas le petit côté aussi. Vous avez remarqué l'espèce de petit côté, on est dans une cuve. C'est nouveau ça. J'aime pas. J'aime pas. Ok, on y retourne. Hop. Je préfère maintenant. Là, je vois des débris en quantité. Donc on devrait pouvoir trouver, si on a l'espace nécessaire. Oui, on a l'espace nécessaire, ce qui nous intéresse. Hop, allons-y. D'accord. Faible technologie Altera. Alors moi, Altera, ça me rappelle un petit peu Voltron, dont on a pu parler assez récemment. Et de 1. Ça fait 2. Ça fait 4. Ça fait 8. Et ça fait 12. On est bon. On rentre à la maison. Nous avons donc notre lingot. Inventaire plein, dommage. J'ai essayé d'être un petit peu plus gourmand, histoire d'avoir un petit peu d'espace de prix, quoi. Enfin, de comment, de ressources sur moi. Ou dans la base, ça reviendra au même pratiquement. Mais nous ne sommes pas en mesure de nous en occuper pour le moment. Hop, nous sommes dans la. Et je suis coincé. Alors là, c'est franchement pute, jeu. C'est franchement pute. Je suis en fait dans la base sans y être. Alors ça. Ça c'est un coup de pute. Parce que j'ai pas le titane pour. Oh la vache! Alors ça. Alors attendez. Parce que ça. Voilà, sauvegarder, j'aurais peut-être pas dû. Retour au menu principal, oui, je suis sûr. Si ça me force, chers amis, à recommencer une partie, le let's play s'arrête là. Ou alors j'utilise une commande pour téléporter. Enfin, il y a peut-être ça. Il y a peut-être ça. Subnautica commande. Voilà, parce que si je suis encore. C'est franchement pute. Surtout que j'ai pas l'impression de pouvoir re-rentrer dedans. Debug console commente. Ok. On va aller voir, hein. PC. Il y a un basique. Event, explode ship, restore ship. Nanana. Spawn, donc non. Cure, infection, sub-cyclope. Non. Moi j'aimerais me téléporter. Vache. Ah non, c'est pute. Cinématique, debug sound. Freecam, FPS, no bloom. Non, 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 non. Téléporte, oh putain! Oh là 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 là. Warp mine, alors attendez. Apparemment c'est faisable. Bonjour. Alors attendez, ils m'ont dit F3. C'est ça. Ensuite, faut que j'appuie sur F8. Du coup, vous pouvez voir mon setup. Non, c'est pas F8. F3. Merde. Dupliquer. Ah, je me bouffe un bug de la merde.
Ah, réussi à presser fuite to get a mouse curseur. F8 to get a mouse curseur. Voilà. Et donc maintenant je peux faire warp me. Ah non. Ouh. Putain, on est dedans. F8, ne trichons pas. C'est le seul moment normalement, avec un peu de bol, où vous me verrez faire ce genre de conneries là. Et ça marche à l'intérieur, tout fonctionne. Ouf. Ok, on est sauf. Eh ben dis donc, la frayeur, chers amis, la frayeur. Ok, bon. Bah moi, vous savez comment faire, chers amis. Comment faire si vous êtes bloqué? Oh là là. Oh, le coup de chaud. Merci. Donc voilà, ça m'a fait moult espace. Je prends du sel. Je prends de ça. Je vais là. Ah oui, non, faut que je fasse de la javel d'abord. Voilà, c'est logique. Hop. Voilà. Et donc, j'ai de l'eau. Crac. Ok. Bon, et bah, chers amis, du coup, sur cet épisode, sur cette fin catastrophique, on va se laisser là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens et yop.